Ah, la vie est belle. Les oiseaux chantent. Les papillons papillonnent. Les étoiles étincellent. Le ciel est d'un bleu magnifique. Et Mario dort. Eh bien, je peux vous dire que ce calme-là ne va pas durer. Parce qu'aujourd'hui, le but de ma vidéo est avant tout de vous proposer un défi. Bon, j'utilise encore une fois le terme de défi pour reprendre celui du Hooper, mais voilà, c'est parce que c'est plus parlant pour vous et pour moi, et que je n'ai pas encore trouvé moi-même mes propres noms de catégorie, mais ça viendra très certainement. Alors, déjà avant tout, je dois vous dire que j'ai énormément galéré pour pouvoir capturer sur la Wii. Alors j'ai envie de dire, enfin! Alors pourquoi j'ai galéré pour capturer sur la Wii alors que, bah, normalement c'est exactement comme sur la PlayStation 3. Eh bien, figurez-vous que j'ai passé une heure à essayer de faire des branchements de partout, d'essayer plusieurs adaptateurs, des adaptateurs Microsoft, Nintendo, Sony. Je suis passé partout, j'ai débranché, j'ai allumé la console avant, j'ai allumé DVD recorder avant, j'ai... Là, vous voyez, c'est minuit 20, et j'avais... Normalement, je voulais commencer à capturer à 23h. Alors, c'est vous dire combien de temps j'ai mis pour trouver la solution. Et pour trouver la solution, eh bien, je me suis rendu sur Internet. Et encore une fois, c'était pas évident à trouver. C'était dans une vidéo que j'ai regardée. Et pendant une fraction de seconde, le gars qui présente la vidéo indique que la Wii doit être configurée en 50 Hz et non en 60 Hz. Or, par défaut, si je ne me trompe pas, la Wii est configurée par défaut en 60 Hz et non en 50. Du coup, quand j'ai configuré en 50 Hz et que j'ai définitivement allumé la console, j'ai vu l'écran s'allumer sur mon écran d'ordinateur, et là c'était une libération totale. J'étais euphorique. Je voulais capturer dans la seconde qui suivait pour vous faire part de mon euphorie, mais j'ai préféré me calmer avant, sinon vous alliez complètement me prendre pour un fou. Et voilà. Donc au moins j'ai pu vous parler plus calmement, vous avez compris, sinon je pense que vous n'aurez rien compris si j'avais commencé tout à l'heure. Et donc voilà. Alors pourquoi on se retrouve ici, dans ce magnifique paysage? Eh bien parce que l'étoile bleue que vous voyez en haut de l'écran, donc je vais aller la rejoindre, et cela va me mener vers d'autres niveaux. Et donc et plus particulièrement un niveau où il faudra récupérer des pièces violettes. Alors habituellement, c'est, il y en a qui sont compliqués, mais c'est toujours faisable. Or celui que je vais vous faire, à chaque fois que j'essaie, je dis bien à chaque fois parce que, comme certains doivent le savoir, dans ce jeu, il faut faire le jeu une fois avec Mario et une autre fois avec Luigi. Donc en gros, j'ai dû faire deux fois ce défi, et les deux fois où j'ai fait ce niveau avec les pièces violettes, j'ai galéré comme un dingue. Et donc je me suis dit, eh ben maintenant que j'ai la possibilité de capturer, eh ben je vais joindre la capture à la torture. Voilà, je me suis levé ce matin et je me suis dit, tiens, eh ben si je me torturais ce soir, ce serait pas mal. Allez, je vais capturer et puis je vais me torturer. Voilà. En plus devant tout le monde, comme ça je vais m'énerver, comme si ma journée n'avait pas été assez énervante aujourd'hui.
notamment à cause de mon stage, mais ceci ne vous regarde pas. Voilà. Alors, comme si ça suffisait pas, eh bien, je me suis dit, bon, ça suffit pas, alors il faut que je capture, il faut que je me torture. Voilà. Alors, peut-être que je vais y arriver du premier coup. Peut-être bien que, voilà, je vais faire cette vidéo, je vais plus parler, parce que là, je vois que ça fait déjà quand même 5 minutes 30 que je vous parle, et sur le coup, le défi, je vais le faire en 2 minutes. Je vais réussir du premier coup, et hop, on va remballer la vidéo, c'est fini. On n'en parle plus. Mais alors, si c'est le contraire, et que je mets du temps, que je vais commencer à perdre, que je vais commencer à jouer comme une brêle, que je vais commencer à m'énerver, oui, parce que je pourrais paraître simplet comme ça, mais je peux m'énerver, hein. Oui, je peux. Mais j'aimerais bien éviter ça. Malheureusement, ce sera certainement pas possible. Donc d'un côté, j'espère bien finir le niveau d'un coup comme ça, mais bon, ce serait pas marrant, hein. Vous trouvez pas, hein? Ce serait quand même marrant que je galère un petit peu, hein. Donc allez, il va falloir que je me lance là. J'ai pas envie de le réveiller là. Il est trop bien. Il va tomber dans le vide. Il va se ramasser des boulets dans la gueule. Le pauvre. Franchement, je le plains. Bon, le jeu, je vais certainement vous le présenter une autre fois. Donc, enfin, c'est pas encore certain. Là, je voulais faire seulement ce défi parce que j'avais déjà l'idée depuis un bon moment. Mais le jeu, peut-être qu'un jour, je vous le présenterai un peu dans sa globalité. Enfin, voilà. Je verrai bien. Allez, 7 minutes pile. Et ça y est, Mario, debout. Bien. Il m'obéit. Allez, c'est parti, on y va. J'ai peur. J'ai peur. Attendez, il y a le fil de ma Wiimote qui s'est prise dans mon casque. Là, voilà. Il faut que je puisse jouer au moins correctement, hein, avec un bon matériel. Parce que là, sinon, ça va perdre. Donc, si je me souviens bien, c'est flotte armée. C'est parti. Je stresse déjà avant d'y être. Mais c'est pas possible, ça. Bon, les pièces violettes de la flotte spatiale. C'est parti. Mais dans quoi je me suis embarqué, moi? J'aime pas ce défi et je l'ai fait. Non. Je suis un malade. Je vais pas pouvoir y échapper. C'est parti. Non, alors. Faut pas que je commence à stresser. Tout va bien aller. Hop là, une petite vie. Maintenant on passe. Voilà, pour moi tout va bien. Alors, le plus compliqué, c'est que parfois, quand on se fait toucher par un boulet, on est projeté, il faut le temps qu'il se relève, le pépère Mario, là. Et c'est pas tout le temps évident. Il y a aussi le fait que parfois, on rate des pièces violettes. Ou alors, des fois, eh bien, il y a un problème de pesanteur. Et du coup... C'est assez chiant. Alors là, si je me souviens, il faut que je passe vite ici. Hop, salto arrière. Non. Oulalalalalalala. Alors ça, vous devez peut-être pas comprendre pourquoi je stressais autant. Mais je peux vous dire que si on se dépêche pas, après c'est impossible de rattraper. Donc là, hop. Ah oui, je vous dis, problème de pesanteur. C'est que des fois, surtout quand on... Ouais, ou quand on est sur le côté comme ça, ou quand on a la tête en bas. Mais alors... Alors des fois, enfin, il faut toujours rester sur la même trajectoire. Hein. Il suffit qu'on appuie un petit peu en haut ou en bas et... Oulala. Et ça y est, c'est terminé, on l'a plus du tout en main. Oh là 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 là.
Alors là, franchement, je vous assure, je sais pas comment je... Non, mais dis pas que je vais y arriver du premier coup. Non! Calme, 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 calme. On va y aller doucement. Non! Non! J'ai réussi. Du premier coup. Enfin, pour vous, là, ça... Vous devez vous dire, non, mais c'est bon. C'est super facile. Je vois pas pourquoi il a fait cette vidéo. J'y crois pas. Non, bah, je préfère ça, hein. Comme ça, j'irai me coucher plus tôt. Mais là... Ouais. Bon, je vais la prendre là parce que... Bon bah voilà. Que vous dire? Que vous dire à part que je pensais complètement galérer? Ah. Allez, encore un petit défi. Pas le même, hein, je vous rassure, mais... Ou alors je m'arrête là. Je m'arrête sur une belle victoire. C'est comme ça, voilà. Bon, ça devait vraiment pas être amusant pour vous. Mais ça sert à rien. Mais ça sert à rien, je vous propose une vidéo comme ça. Allez, 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 allez. Je vais m'amuser à faire un autre niveau. Parce que là, c'est pas possible, je peux pas vous proposer que ça. Donc, pour ceux qui ont envie de se contenter que de ça, eh ben, arrêtez la vidéo. Et comme ça, au moins, eh ben... Comme ça, au moins, vous aurez vu une très bonne prestation. Et on en restera là. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais par contre, ceux qui ont encore envie de... Ceux qui ont encore l'espoir de me voir galérer... Eh bien, je vous invite à continuer. Alors, si je me souviens bien, celui-ci, ce sera donc sur des dalles, sur un bonhomme qui représente Mario... Et il faudra donc récupérer des pièces violettes. Donc cette fois, ce sera dans un temps imparti, il me semble. Et il n'y aura pas que 100 pièces. Il y en aura beaucoup plus que 100. Voilà. Donc je devrais au moins tenter de les récupérer. Et une fois que je les aurai récupérées, je devrais retourner au début. Donc il faudra faire gaffe aux dalles qui auront disparu et aux autres qui se retournent. Enfin, de toute façon, vous allez voir. C'est parti! Alors sur le coup, ça va être sur celui-là que je vais galérer le plus. Mais ce serait complètement bidon. Ce serait complètement bidon. Mais lui, je l'avais quand même. Je vous cache pas que je l'avais quand même réservé au cas où, parce que je savais que j'avais pas mal galéré pour celui-ci aussi. Mais si j'y arrive encore une fois du premier coup, là Je sais plus quoi dire, mais il faut pas trop que j'espère. Eh ben merde, voilà. Mon invincibilité se termine ici. Ah, il fallait bien que ça arrive. Et c'est reparti. Bon, bon, bon. On va refaire le même chemin, moi il me paraissait pas mal. Voilà, ici je récupère les pièces, c'est parfait. Hop là. Alors, tout à l'heure il a pas voulu faire le saut en longueur, c'est pour ça que je suis tombé dans la... Je sais même pas ce que c'est... C'est de la... Des sables mouvants un peu bizarres. Ouch. Ça c'est chaud. Il faut combien 100. Et merde. Encore une fois, je stresse comme un dingue. En fait, c'est quand je capture ça. Enfin, d'habitude, je stresse aussi un peu parce que c'est compliqué, mais... Là, celle-là encore plus. Une vie! Parce qu'en plus, ça tourne,
C'est... Ah. Je fais n'importe quoi. Et merde. Et voilà. Oh non. Aïe 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 aïe. Bon, je vais tenter un autre chemin. Je viendrai là où je commençais plutôt à la fin. On va tenter de se dépêcher un petit peu. Oh non. Mais quelle idée aussi que j'ai eue de continuer. J'aurais pas pu rester sur une victoire. Non. Oh là là. Des fois il fait pas le son en longueur, c'est assez emmerdant. Allez, j'aurais pas pu rester sur une victoire là. Aïe 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 aïe. Bon, désolé, je dis pas vraiment grand chose d'intéressant. Hein. C'était surtout en fait pour faire un défi. Au départ, je pensais que j'allais m'énerver tous déjà sur le premier là, que j'allais y passer des heures et des heures, enfin des heures, bon, peut-être pas exagérer non plus. Mais ouais, je pensais que j'allais y passer un bon bout de temps. Et ça, du coup, ben c'était pas prévu quoi. Pff, que 50, mais j'en ai pas assez là. Oh là là, je fais n'importe quoi. Et voilà, il a pas encore fait le son en longueur. Bah ouais, c'est bien ce que je disais. J'ai plus galéré sur celui-ci. Ah, c'est pas vrai. Apparemment, j'étais plus concentré sur l'autre. Et celui-ci beaucoup moins. Et du coup... Eh bien, voilà le résultat. Voilà. Pff, c'est n'importe quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas marcher normalement hein, sur ces plaques. Vous pouvez croire que... On peut bien marcher, tranquille, mais non, 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 non. Comme ça tourne direct... Ouais, bon, sinon, ce jeu, dans l'ensemble, je l'ai bien aimé. Au départ, j'étais pas parti pour acheter des jeux Mario. Donc, pour la petite anecdote et pour vous informer un petit peu, je pense que vous devez le savoir, mais... Oh non, il a encore pas fait le... Non, non. Je vais arrêter, hein. Ah non, faut que je réussisse. Ouais, je disais pour la petite anecdote. À titre d'information, donc comme vous devez le savoir, je suis un fan de Sonic. Ils sont bleus. Donc là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'un fan de Sonic fait avec un jeu Mario dans les mains? Ou pas, hein. Je pense que maintenant, c'est que pour les kikoulol ce genre de guerre. Donc apparemment j'en étais un avant. Hein. Mais depuis, je me suis résolu. Je suis revenu à la raison. Et je me suis dit, ce n'est pas parce que Nintendo est concurrent ou a été concurrent direct de Sega qu'il faut que je boude Nintendo. C'est complètement un comportement immature. Et du coup... Et eh bien je me suis dit, allez, c'est parti. Je vais me faire les Mario. Enfin, pas tous. Puisque... Non, je suis même pas arrivé au bout. Oh là 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 là. Bon, bah je vais recommencer par là où j'avais... Par là où je commençais. C'est-à-dire par la droite. Ouais, je disais, c'est complètement absurde de bouder Mario. C'est... Voilà. Alors j'ai voulu taper fort, j'ai commencé par les Mario Galaxy. Et je peux vous dire eh bien, que ça m'a vraiment plu. Donc pour le moment j'en suis qu'au début du 2. J'ai pas bien... Merde. Ouais, j'ai pas bien avancé. Parce qu'en ce moment aussi je suis en train de jouer à Final Fantasy 13-2. Donc ça, je sais pas si je vous en ferai une présentation ou quoi.
Donc je vous en parlerai certainement plus tard, pas besoin de m'étaler sur le sujet pour l'instant. Voilà. Et donc ouais, les Mario Galaxy m'ont vraiment plu. En fait, je sais pas, j'avais besoin de jouer à un jeu de plateforme, je sais pas, ça me manquait. Bon, à part les Sonic, voilà, bon, que bien sûr j'achète et que voilà, ça me plaît bien. Je sais pas, j'avais besoin d'un jeu de plateforme pur, joli, sympathique à jouer. Et du coup, et ben, j'ai choisi les Mario. J'ai choisi d'allier le changement. Oh là là, allez, putain, il m'en reste plus qu'une. Alors là, pour revenir. Oh, attendez, je me concentre. Allez, je vais y arriver. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça y est. Voilà, je fais plus de défis. C'est fini, enfin. plus de défis, Mario, là, dans cette vidéo. C'est bon, je vais terminer sur une victoire. Voilà. Et je me serais pas encore énervé. C'est bon. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, que ben voilà, j'ai voulu allier le plaisir de rejouer à un jeu de plateforme. Et bien au fait de découvrir les Mario. Voilà. Bon, j'avais déjà joué à des Mario. Des vieux Mario, par exemple, sur la Super Nintendo, comme Mario Kart Super Nintendo. Bien c'est certains Mario sur Game Boy. Mais sinon, c'est vrai que j'avais jamais, j'étais jamais entré dans cet univers, jamais bien complètement. Et là, et ben, j'ai décidé que ce serait pas mal de le découvrir et j'ai pas été déçu. Voilà, et bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Mon défi principal, au moins, c'était de réussir le premier niveau que je vous ai fait. Je l'ai réussi du premier coup. Eh bien, j'en suis assez content. Même si j'avoue que ça aurait été marrant pour vous que que je le réussisse pas du premier coup. Bah, au moins, vous avez eu celui-là. Voilà, comme ça, vous m'aurez vu galérer. Mais je pense qu'il y aura d'autres moments où vous me verrez galérer aussi. Autant dans les autres vidéos que je ferai, que peut-être dans même des autres défis que je ferai. Donc, voilà. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que cette vidéo a été laborieuse, j'ai vraiment rien dit de spécial. Donc franchement, désolé si ça vous a complètement déplu, si vous avez trouvé ça complètement inintéressant. Je suis désolé, mais je voulais au moins faire cette vidéo, voilà. Moi je l'aurais faite. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.